Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Coaster pour notre quatrième vidéo sur le parc d'attractions Tropical. J'ai super bien avancé, je suis trop content quand je pense vraiment qu'au départ, il n'y avait rien et aujourd'hui, voilà. C'est tout le temps pareil à chaque fois que tu crées un parc, c'est qu'au début, tu pars de rien et au final, quand tu te retrouves à rajouter de plus en plus de trucs... Bah ça fait quelque chose, ça met le baume au cœur, ça met le sourire. Les amis, vous avez vu le titre aujourd'hui, on va ouvrir aux visiteurs le parc en avant-première puisque nous avons deux coasters qui sont terminés, donc c'est vraiment vraiment cool, on va leur ouvrir. Mais pour pouvoir ouvrir le parc aux visiteurs, eh bien, il va falloir évidemment proposer des services parce que les coasters c'est bien beau mais il faut absolument des toilettes, il faut quand même pouvoir boire et manger un petit peu. Donc voilà, je vais vous montrer avant toute chose ce que j'ai fait en off. Alors vous l'avez vu ici, j'ai fait ici un clin d'œil à Sons of the Forest, le jeu Sons of the Forest, puisque nous sommes rescapés d'un crash d'hélicoptère et que je rappelle que le parc d'attractions s'appelle Sons of the Green Hell Forest. Bref, donc clin d'œil à ces jeux de survie. Et donc j'ai fait le lieu de crash d'hélicoptère. A voir par la suite, parce que pour le moment on connaît pas encore le jeu Sons of the Forest, mais en fonction on pourra faire différents clins d'œil au jeu lorsqu'on en aura, donc ça pourrait être assez sympa. Donc j'ai rajouté du végétal ici. Un petit emplacement là, de type verdure, c'est là qu'on va pouvoir mettre, je pense, des tables et des bancs et des chaises pour pouvoir manger, tout simplement. J'ai rajouté ici, j'ai profité des creux qu'on a pu faire pour créer un nouveau plan d'eau en plus de celui qu'on a là. Donc qui va nous permettre soit pour le rafting, soit pour les bûches, enfin bref, tout, pour les attractions aquatiques. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de choses. D'abord la file d'attente, la cascade. Donc ici j'ai rien retouché, on a toujours cette magnifique cascade. Toujours voilà, jusqu'ici c'est vraiment toujours pareil. Par contre, à partir d'ici c'est là que ça va changer. Alors j'ai commencé à rajouter des petites lumières mais c'est pas fini. Là je mettrai des murs. Je pense que je mettrai des murs par ici. J'ai écouté ce que vous m'avez dit et donc j'ai ajouté des grillages ici. Et c'est vrai que c'est pas trop mal. Donc voilà, pour la file d'attente c'est quand même plus sympa d'avoir les grillages. Donc j'ai enlevé les jets d'eau sur eux. Voilà. Hop, j'ai rajouté une cascade d'eau ici. Et j'ai changé le layout. Je vous ai écouté également, comme vous pouvez le voir. Je vous ai écouté et j'ai rajouté des splashs, ce que vous m'aviez expliqué. Alors dites-moi si c'est ok ou pas. Moi j'aime bien. Je vous ai écouté, donc j'ai rajouté un nouveau splash ici. Tranquillement. Et puis un deuxième splash ici. J'ai changé les jets d'eau, j'ai ajouté une animation avec un requin. Et ça fait quelque chose de plutôt sympathique. Voilà, après la file d'attente, ça n'a pas changé. Et l'intérieur ici, ça n'a pas changé. J'ai juste rajouté donc des lumières. Voilà, c'est pas fini bien sûr. Mais voilà, on avance vraiment plutôt pas mal. Ensuite, ce coaster là, j'ai fait le bâtiment, j'ai commencé le bâtiment. Alors on a déjà là la file d'attente que j'ai donc refait au propre ici, donc qui commence là, Jungle. On passe par ici, on passe sous une caverne, sous une grotte, hein, artificielle bien sûr, hein. C'est du papier mâché. Voilà, on est dans la jungle, tac tac tac, on fait la file d'attente. Et là, vous voyez, il y a l'entrée du parc juste ici, l'entrée des parcs qui sera juste là. Donc on verra les gens et tout, donc là quand t'es dans l'entrée du parc, tu vois la file d'attente, tu vois le coaster qui passe là. Wesh, comme il est rapide! Attends, j'avais zappé qu'il était aussi rapide que ça! What? Je croyais que j'étais en... J'ai cru que j'étais en x2! Ah non, c'est juste que j'étais pas prêt, quoi! Oh, c'est fou! Bref, donc voilà pour la file d'attente, ça fait une belle petite file. Je vais mettre le jeu en pause, ça fait une belle petite file. Tac, 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 on arrive, on monte ici. Là, je pense que je vais pas mettre de piliers, je pense que je vais mettre... je vais augmenter le terrain, vous savez, je mettrai des pierres. Je mettrai des pierres pour camoufler, comme ça, ça fera le beau support. Puis voilà, un petit peu pour l'intérieur. Ça manque de lumière, ça manque de détails, hein. C'est très très vert. Mais il y aura des détails au fur et à mesure. Voilà, on essaye un petit peu de faire comme on peut, mais c'est déjà sympa, au moins c'est habillé. Et puis la sortie, là, il n'y a rien qui a bougé, toujours aussi sympa. Tac, on passe par là, dans la verdure. C'est toujours cool. Avec petite photo souvenir à la fin, ça pourrait être assez sympa. Voilà un petit peu pour ce que j'ai fait en off. Je suis assez content, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je suis ravi. Je suis absolument ravi. Voilà, donc là on va ouvrir aux visiteurs. Déjà j'ai mis cette attraction Jungle au prix de 13,50 et la cascade je l'ai mis au prix de 11,50. D'accord, donc on verra si ça fonctionne. De toute façon ça ne peut que fonctionner en l'état où c'est, je veux dire c'est le meilleur parc d'attraction que j'ai fait jusqu'à présent alors qu'il n'y a que deux coasters. Maintenant ce qui va s'agir ça va être les services. Donc les trucs les très importants ça va être tout ce qui va être premier soin, tout ce qui va être boisson et tout ce qui va être toilette et distributeur de billets également. Alors l'entrée du parc j'ai pas envie de la faire forcément tout de suite. On la fera peut-être un petit peu plus tard.
Là, j'ai vraiment envie de m'attaquer au service, c'est le plus important. Faut savoir que les visiteurs qui vont venir, d'ailleurs, on va limiter l'entrée du parc, mais ça va être les bêta-testeurs. Voilà, j'appelle ça les bêta-testeurs. On va directement limiter les entrées du parc, d'ailleurs, si c'est possible. Entrée du parc, cet objet est verrouillé. Ah oui, on peut pas changer. Bon, l'entrée est gratuite, mais on peut pas... Ah, c'est avec le mode scénario. C'est avec le mode scénario qu'on peut changer le nombre de visiteurs, malheureusement, on ne peut pas. Donc voilà un petit peu, on reste dans le thème du parc en faisant ça. Donc on va se faire, mais bien sûr, on va se faire une partie centrale. Une partie centrale comme ça. Avec justement, tu sais, une sorte de tonnel finalement. En fait c'est ça, c'est une sorte de tonnel le truc. Déjà on va faire 3, du 3 sur 3 pour voir. Hop, 3 sur 3 c'est quand même plus agréable. 3 sur 3 c'est quand même plus agréable, donc on va tout prendre. On va rendre ça un peu plus centré. Enfin plus centré, je me comprends hein. Voilà, comme ça mange pas avec les autres feuillages. Et là c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que on va pas avoir besoin du parasol. Et ce qui fait que là au moins on va être assez tranquille. Et on va pouvoir faire quelque chose d'assez espacé, assez épuré. Un peu comme dans un restaurant, superbe. Superbe, ah c'est parfait. Tac, on pourra mettre un autre couple. Enfin une autre, tout de suite des couples. Une autre table là comme ça. Là sur le teco je vais pas trop m'avancer. Donc là on se retrouve avec 9, 10, 11 tables. C'est pas énorme, hein. c'est pas énorme, mais c'est pas grave. Là ici il y a un petit coin d'ombre. Tac, donc là on va pouvoir mettre des gens là comme ça. On va pouvoir mettre des gens là comme ça. Oh oui, comme ça, parfait, superbe. Et là comme ça, les gens peuvent passer sans problème de part et d'autre des côtés. Superbe. Ça fait pas mal de petites tables, c'est cool. Donc là, on est quand même relativement pas mal. On va s'occuper du petit snacku. Donc pour le petit snacku, comment on va faire? On a dit qu'on allait faire ici. Donc on va faire boutique et service. On va faire donc petite restauration. Non, ça c'est attraction. Donc ça c'est restaurant. Nous on fait pas des restaurants. Nous on fait des petits snacks. Donc on va faire un petit snack nourriture. Déjà Tiki Shiki c'est parfait. On va le placer. Alors attention à la route. J'aimerais bien juste qu'elle soit indépendante à la route. Comme ça, on est libre de faire comme on veut. Donc, on va mettre le Chiki Chiki en bordure. Regardez bien. Comme ça. Superbe. Allez, on va à la fois utiliser la simplicité et à la fois la technique. On va partir sur de l'Adobe. Non pas de l'Adobe, hein, qui est le logiciel absolument. Alors, du coup, là, on va mettre la façade directement des façades sur chaque devanture. Ce qui est sympa aussi avec ce type de construction en Adobe, c'est qu'on va pouvoir créer un vrai bâtiment avec une entrée, des portes, etc. Donc, ça va être vraiment sympa. D'ailleurs, pour ainsi dire, vous savez ce qu'on va faire? Ça, c'est les backrooms, enfin, c'est les backstage, personne n'est censé savoir. Mais le bâtiment des employés, on va le prendre. Allez, on continue le bâtiment, donc. On va pouvoir faire un vrai truc avec des fenêtres, etc. Oh, pour le restaurant à l'arrière, c'est parfait, ça. Ça, ça va être pour l'arrière du restaurant, pour les évacuations d'air, etc. Donc, on va placer ça en attendant comme ceci. Voilà, alors, après, il n'y a pas vraiment de symétrie, donc. Comme ça. Et... fenêtre ici, je vais carrément mettre la porte là, porte droite donc. Hop, on va la mettre là bien collée. On va la faire passer dans le bois tout bien comme ça. Tac, pas qu'elle vole quand même, ce sera un petit peu. Ok, et on va mettre la porte gauche directement. À sa gauche bien sûr. Et là ça devrait pas poser problème. Oh, c'est parfait même. Ok, bon ça c'est le classique avec les constructions en Adobe hein, mais bon. Au moins ça permet de rajouter quand même du relief. Donc c'est de faire ça finalement de chaque côté. Alors là c'est pas possible, c'est que pour le côté gauche. Ok, donc là il faut que je fasse pareil. Attends, ça c'est quoi ça? Angle supérieur haut. Donc on met celui-là ici. Voilà. Tac, on rajoute les petits panneaux publicitaires pour que les gens soient pas perdus. Bon là c'est quand même vachement gigantesque. On va mettre des lumières, oh là là, en néon. Oh, vous savez que j'adore les néons, donc franchement, ok. Là c'est quoi? C'est hot dog. Donc là, hot dog. Comment ça? Ah, voilà, ça me rassure. Donc pareil, on va pouvoir mettre le auvent directement. Tac. Du coup j'en profite, là je mets des petites bouteilles chez les salariés. Du coup comment on dit? Non, chez les salariés oui, mais comment on dit? Chez les saisonniers, voilà, je suis en train de mettre des petites boissons. Parce qu'on va bientôt ouvrir le parc aux visiteurs, les amis. Donc on continue par là, voilà un petit peu ce qui se passe ici. Assez original, je suis content. Regardez, j'ai fait les panneaux au mur là, Chief Beef.
à la base c'est pas du tout fait pour, donc ça ce qui est sympa avec ce jeu, voilà, c'est qu'on peut vraiment tout transformer comme on veut, parce qu'à la base, regardez, c'est un panneau mural qui se met comme ça, tout simplement. Vous voyez, donc je l'ai rendu absolument différemment. Voilà, donc là il y a des petits panneaux de promotion que je mettrai un petit peu partout dans le parc. Petite parenthèse, j'avais oublié de vous dire, j'ai pu rajouter des dodan, hein, voilà, des ralentisseurs, des speed bumps. Donc je les ai mis aux endroits stratégiques de sorte à ce que tout se passe au mieux dans le parc. Voilà un petit peu, ça avance, je suis assez content. Alors faut vraiment savoir, les amis, que c'est très dur de trouver des toits qui vont avec ce que tu veux faire. Déjà, des toits en Adobe, ça n'existe pas sur le jeu. Je sais pas si ça existe dans la vraie vie, j'avoue, je connais pas. Et il n'y a vraiment pas le choix comme j'en ai spécialement l'envie. Donc je me rabats sur des tuiles. En vrai, ça peut être pas mal. Faut voir un petit peu comment faire. Et vous voyez, il faut un peu faire ressortir le truc. Sinon ça va faire moche. Donc c'est pour ça que vous voyez, si tu fais comme ça, ça va faire moche. Donc faut vraiment faire ressortir le bordel. Hop. Allez, la hauteur de la grille. Faut jouer un petit peu avec. Voilà, on va partir sur quelque chose comme ça. On va bien voir ce que ça va donner. De toute façon, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Et là, faut faire déborder là. Ouais, là, va falloir faire déborder. Ça me plaît pas. Donc pour faire déborder. Tac, on va faire déborder jusqu'à là, quoi, du coup. Au moins, ça a son sens d'avoir ce truc là. Ouais, parfait. Voilà, donc là, on se retrouve avec quand même un truc assez sympa, quoi. On a une petite fenêtre ici, donc là, faut s'imaginer que l'intérieur, c'est des cuisines à fond les ballons. Malheureusement, on peut pas non plus tout faire, faut pas déconner non plus, hein. Là, les employés vont pouvoir rentrer ici. Là, on va pouvoir mettre un nouveau service, on va voir lequel. On va y réfléchir. Par contre, ah oui, est-ce qu'on peut mettre une cheminée, quelque chose comme ça, pour l'évacuation de l'air? Oh, mais bien sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. Cheminée en fer, hein, Ah, cheminée de caserne des pompiers, c'est parfait, parce que regardez, c'est absolument de la brique. La brique, on va mettre la même couleur. Et ça peut être vraiment pas mal. Alors, on va d'ailleurs faire un truc super stylé. L'évacuation de l'air, regardez. On va carrément créer une évacuation d'air. En faisant comme ça, regardez. Ah oui, non, mais non. Ah, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de... C'est ça ce qui est beau avec Planet Coaster. C'est qu'on peut créer des trucs à partir d'un truc qui n'a rien à voir. Alors, la brique, est-ce qu'il n'y a pas moyen... Eh ben, voilà. Voilà, sorte que tout soit à peu près de la même couleur. Tac, j'en mets une là. J'en mets une autre là. Directement, tac. Je vais d'ailleurs aligner sur l'angle et la retourner dans l'autre sens. Et je vais en placer une ici encore. Évidemment, on fait pas ça du côté où il y a les visiteurs qui mangent, etc. Parce que c'est assez terrible. On va bien sûr ajouter des cheminées d'évacuation d'air. Alors là, le problème, c'est que... Est-ce que c'est réaliste ou pas? Parce que là, il y a le toit juste au-dessus, donc l'air, je sais pas du tout si c'est réaliste. Moi, je pense que ça mange pas de pain. Oh, bah je sais. Magnifique, on va faire le café ici. Bien à part, tu sais. Voilà, bien le truc qui fait toujours plaisir, le petit café. Voyons voir un petit peu ce qu'il nous propose là pour le café. Là. Street Fox Coffee. Alors, le café allongé, sucre, lait. Je sais qu'il y en a qui aiment bien la crème, mais alors le reste, on va pas mettre. Double expresso, sucre, lait, crème. Et pareil pour le cappuccino, sucre, lait, crème. On va pas faire de mocha. Et on va pas faire de déca. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Ok, donc là on a déjà des bons services pour pouvoir ouvrir le parc d'attractions. Non, on va rester sur un truc comme ça. Mais on va lui réduire la taille quand même. C'est pas la taille qui compte. Et voilà le travail. Et là on est sur quelque chose d'assez sympa. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir placer le petit menu là. Les gens vont pouvoir lire à l'avance ceux qui voudront acheter. Pour ce qui va être l'eau, ben... Pour la pub, on va la mettre là. Comme ça, les gens, ils savent qu'il y a de l'eau ici. Chief Beef, c'est aussi le menu, on va dire. D'accord, donc le menu, il va être juste là. Et puis là, j'ai pas besoin de mettre cette pub là. Et là, on a un truc qui est quand même relativement cool. Et ben les toilettes, on va les laisser à l'entrée temporairement également. Donc comme ça, on a vraiment notre entrée du début. C'est temporaire, c'est juste histoire qu'il n'y ait pas de drame, qu'il n'y ait pas de blessés et que les gens puissent aller aux toilettes sans problème, tu vois. Donc là, je vais juste relier sans que ça pose problème. Vous voyez, je peux de nouveau recasser si je veux.
Hop, je relie les deux toilettes. Tac, tac. Et donc là, si j'ai besoin, je peux normalement enlever l'allée. Et ça cassera pas. Ok. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on ouvre le parc? Ok, bah voyons voir. Voyons voir maintenant la réaction des gens. C'est une expérience. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le parc ou est-ce qu'ils vont faire demi-tour? Après, c'est gratuit, les gars. Hein. L'entrée, elle est gratuite, donc qu'ils fassent pas chier. Ce serait débile de leur part qu'ils fassent demi-tour. Moi, je pense qu'ils vont kiffer. Donc là, ça leur fait quand même pas mal de marche. Juste, est-ce que c'est gratuit? Oui, les toilettes, c'est gratuit. Ok. Eh bah, tu sais quoi, les toilettes, on va les mettre à 2$. 1$, pardon. Non. Eh, mais je suis un rat, moi. 50 centimes. Pour le moment, parce que ça nous permet de faire évoluer le parc. Et les premiers secours, 1$, mais c'est remboursé par la sécu. Alors, les gens sont en train de venir par millions, par contre. Hein. Je sais pas c'est quoi la capacité du parc, mais ils viennent par millions, voilà. On va pouvoir voir un petit peu les avis des gens. Plusieurs attractions n'ont pas d'entrée. Oui, c'est les attractions qui sont là, hein. Je vous rassure. Donc là, ils sont en train de se précipiter. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est embaucher directement du personnel qui va nous être très important. Ça va être l'agent de sécurité, parce qu'on n'a pas de caméra de surveillance encore. Deux agents de sécurité, ça fera bien l'affaire. On n'a pas besoin de plus, je pense, parce que le parc part pas encore dans tous les sens. Donc c'est déjà pas mal. J'ai complètement oublié de mettre les poubelles, parce que c'est bien beau d'accueillir les gens, mais s'il n'y a pas de poubelles, on va pas aller bien loin. Donc des poubelles en rapport avec la jungle, donc des poubelles tonneaux, ça fera pas l'affaire. Par contre, dans l'ambiance aquatique, ça fera l'affaire. Donc on va mettre une poubelle tonneau ici. On va mettre une poubelle tonneau peut-être là, ça peut être sympa. Faut pas trop les espacer, quoi. Et dans la file d'attente, si jamais il y en a qui mangent des bonbons ou des trucs comme ça, ça peut être pas mal de mettre une poubelle. On peut pas mettre de poubelle dans la file d'attente, ok. Bon bah ce sera déjà ça. Pour ici, qu'est-ce qui irait bien comme poubelle? On a poubelle western. Alors c'est western, mais ça, on n'est pas obligé de le savoir. Vous voyez, ça rend pas mal le bois. Ça, j'aime bien. On va mettre une poubelle ici comme ça. Donc ça va être les poubelles principales. Et ça tombe bien, regarde. Hop, on va mettre une comme ça. On va mettre une ici. Et une là. On n'est jamais trop prudent. Au niveau des de la nourriture, on va mettre une petite poubelle là. Tac. Une poubelle à la sortie. J'espère juste qu'ils vont pas me les renverser. Et là, à l'entrée, ouais, ils seraient capables de m'en foutre partout. Donc on va mettre ça là. Donc des agents d'entretien également. On va embaucher rapidement technicien de surface. J'en ai déjà un. Je vais en mettre un deuxième. Ça devrait suffire aussi, je l'espère. Et puis voilà, les gens sont en train de rentrer tranquillement. Donc voilà les amis, un petit peu les avancées du parc. On a vraiment bien avancé. Je suis très content. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et je vais vous laisser sur des belles cinématiques. Alors les employés sont déjà en train de prendre leurs vacances. Non, ils sont déjà en train de fermer, quoi. Vous avez pas l'impression de... Je m'ennuie à mourir, mais va bosser. Mais va bosser. Attends, mais alors madame s'ennuie, mais elle va même pas bosser. Alors ça, c'est par contre c'est terrible de fermer les stores au moment où les visiteurs arrivent. Alors attends. 1 2 3 4 5. Voilà, comme ça on est tranquille. Ils pourront tourner. Bon. Oh bah c'est superbe. Les gens arrivent. Les gens arrivent, c'est merveilleux. C'est merveilleux, j'ai hâte de les voir rentrer, j'espère, dans les coasters. Ce serait vraiment pas mal, mais j'ai l'impression qu'ils vont y aller. Donc c'est juste parfait. On va pouvoir voir les petites appréciations. C'est en train de se ruer. Oh, la queue! Oh, c'est ce que je voulais voir, ça. Ça met le sourire, ça. Ça met le sourire. Du coup, ça me permet de me rendre compte... Voilà, qu'il va falloir faire ça pour éviter les problèmes. Ah oui, le mieux ce serait de faire ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Allez, super. Les gens vont déjà se poser tranquillement. Parfait. Là-bas, ça va aller dans les coasters. C'est déjà en train de se poser. C'est génial, je suis trop content. On peut regarder la vue d'ensemble. Bon, la satisfaction pour le moment, ils n'ont pas encore goûté au plaisir. L'entrée du parc est gratuite. Ça manque d'attraction pour le moment. Cette boutique a l'air pleine, bah c'est normal, ça vient d'ouvrir, il y a plein de gens. Donc les appréciations négatives, c'est en rapport avec le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
Donc c'est tout à fait ok quoi. Voilà les amis, allez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se quitte avec des petites cinématiques. N'oubliez pas le pouce bleu, vos commentaires pour vos idées générales, si vous avez des petites astuces. Pareil, j'ai rajouté de l'aération ici, voilà, j'ai oublié de vous montrer. Je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo. Et ciao tout le monde, hey fun.